Hello les amis, comment allez-vous? Je vous espère en pleine forme. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je vous laisse arriver tranquillement. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que tout est OK sur les différentes plateformes. Vous êtes déjà très nombreux. On est avec Instagram et Facebook, les amis, quasiment 180. Ça fait très très plaisir. Je vous espère en pleine forme. Ça a l'air d'être bon sur les commentaires. Coucou Nicole, coucou Montaric, coucou Karen, coucou Myriam, Véro, Mas, Adrien, Isabelle, Victoria, coucou Sophie. Génial, ça a l'air de marcher les amis. Super, on va faire notre petite séance du dimanche soir pour s'apaiser et commencer la semaine en pleine forme. Vous savez que votre semaine, votre journée en fait, elle commence le soir quand vous allez vous coucher. Elle commence pas le matin quand vous vous levez, mais elle commence la veille quand vous allez vous coucher. Parce que vous savez très bien, les amis, que la qualité de notre sommeil, ça détermine complètement la qualité de nos journées le lendemain. Alors, on va tranquillement s'asseoir par terre. Quand vous arrivez, je vous invite. Yes, super. Oui, je disais, je vous invite avant qu'on commence à partager ce live sur vos différentes plateformes, les amis. C'est hyper important pour nous, pour toute l'équipe Lifeforce. Ce qu'on fait, il faut que ça serve tous les gens que vous avez autour de vous qui sont pris dans l'incertitude en ce moment avec cet égrégore de peur qui règne autour de nous. Envoyez-leur ce live, partagez-le sur vos Facebook, sur vos Instagram. Il faut que ça touche le plus grand nombre. Parce que c'est des principes du vivant qu'on voit ensemble, des principes pour gérer son stress et ses émotions. Et c'est beaucoup plus simple de jouer au jeu de la vie quand on connaît les règles, quand on connaît ses principes, les amis. Super. Coucou Olivier, coucou Chantal, coucou Martine, Manu, coucou Manu, coucou Noémie. Ça fait plaisir de vous voir, les amis. On s'assoit par terre tranquillement. Ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est important de s'asseoir par terre parce qu'on passe trop de temps sur des chaises dans la journée et on a besoin du sol pour aller harmoniser ce qu'on appelle les champs contractiles. On en reparlera tout à l'heure. On imagine un petit cheveu qui nous tient ici au sommet du crâne. On va se suspendre à ce petit cheveu. On va rentrer le menton un tout petit peu. D'accord? Pour pas que la tête tombe comme ça. On ne dégouline pas. On essaie d'avoir une posture digne. Nope, on met un petit sourire sur son visage pour relâcher les muscles de la face et puis se sécréter un peu plus de dopamine et de sérotonine. Les épaules sont relâchées et on va fermer les yeux, poser les mains sur ses cuisses et puis on va sentir son ventre qui gonfle et qui dégonfle. Juste ça. On va reprendre contact, comme on fait toujours, avec sa respiration qu'on a pris pour acquise toute la journée. Vous savez que vous respirez autour de 23 000 fois par jour. Et tu inspires et tu expires, ton ventre gonfle et dégonfle naturellement. On relâche la sangle abdominale, les épaules sont détendues. On essaye d'être le plus suspendu possible, c'est-à-dire d'avoir le moins de tension, d'effort musculaire pour tenir une jolie posture, digne. Les méditants ici, vous savez qu'on appelle ça Siddhasana, la posture de l'élu, quand on médite en lotus. Et puis tranquillement, on va déplacer son attention sur le toucher de l'air à l'entrée des narines, quelque chose de plus fin, de plus subtil. Et on va sentir à l'entrée des narines, ici, cette zone-là, chaque inspiration qui passe et chaque expiration qui sort. Encore une fois, les amis, la respiration naturelle. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est, naturelle. C'est vraiment un entraînement à accueillir la réalité telle qu'elle est. Là, c'est dans le cadre du corps, mais vous allez voir que plus vous allez le faire, plus on s'entraîne à le faire, ceux qui me suivent depuis un moment, eh bien, ça infuse dans vos journées après, quand il y a des choses qui se passent que vous ne souhaitez pas ou des choses que vous souhaitez qui n'arrivent pas. Comment tu gères ça? Est-ce que tu es capable de proposer une réponse ou est-ce que tu es en réaction? Eh bien, de simplement accueillir la respiration telle qu'elle est, au toucher de l'air à l'entrée des narines, ça t'entraîne à accueillir la réalité.
Tu vas sentir la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort. En ayant toujours une posture la plus détendue possible. Et maintenant, tu vas essayer de percevoir la différence d'humidité entre l'air qui rentre et l'air qui sort. La respiration est toujours naturelle. Et puis, on va essayer de percevoir maintenant la respiration dans l'arrière-gorge. On va suivre le flux d'inspiration à travers les narines, les cornets nasaux, jusque dans l'arrière-gorge. Et puis peut-être on va la sentir descendre dans la trachée, dans les bronches, dans les bronchioles. On va essayer de suivre tout le trajet de l'air, de le repérer, peut-être jusqu'aux alvéoles, dans les poumons. Pareil à l'expiration, essayez de repérer tout le trajet que fait l'air depuis le plus profond de vos poumons jusqu'à sortir de votre nez. Je vais vous inviter, pour ceux qui ont du mal, on va faire Ujjayi en même temps, la respiration de la victoire, la respiration de l'océan. On va ouvrir les yeux un tout petit peu, on va serrer un petit peu les muscles de la gorge. Ici, on appelle ça les muscles sus et sous-hyoïdiens. On a un petit os ici qu'on appelle l'os hyoïde. On va serrer les muscles de la gorge et on va faire comme quand on fait de la buée, comme tu fais de la buée comme ça. Sauf qu'on va le faire juste avec le nez. La bouche va rester fermée, comme quand quelqu'un commence à ronfler. Et on va inspirer. Je me rapproche du micro pour que vous entendiez. Ça fait ça. On va sentir l'air qui frotte au fond de la gorge, à l'inspire et à l'expire. Ujjayi, ça s'appelle. Vous allez du coup, avec ces frottements, avoir plus de conscience sur l'air qui passe dans l'arrière-gorge. Faites-le tranquillement, on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on dégonfle le ventre. Et vous allez voir que cette respiration, elle est fabuleuse parce qu'elle connecte le système nerveux parasympathique, la partie du système nerveux autonome, qui t'apaise, qui déstresse. Pourquoi ? Parce que en faisant une constriction, parce que je sais que j'ai mes férues de physiologie qui sont là, on stimule ce qu'on appelle le sinus carotidien. C'est une petite zone ici qui va comprimer le nerf vague, le nerf, le chef d'orchestre du système parasympathique, la partie du système nerveux qui, encore une fois, nous déstresse. Allez, on fait Ujjayi, inspire. Et focus pour suivre l'air le plus longtemps possible avec cette petite aide de sentir l'air qui frotte dans l'arrière-gorge. Profitez pour écouter votre respiration, écoutez comme la marée, comme les vagues qui viennent, la respiration de l'océan qui viennent et qui repartent. Laissez-vous bercer. Et tout en écoutant ma voix, en écoutant votre respiration Ujjayi, avec cette petite contraction de la gorge, vous allez repérer les bruits que vous avez autour de vous, autres que ma voix. Peut-être les enfants au loin, peut-être les bruits des voitures, peut-être le bruit du vent. Moi, j'entends les petites gouttes de pluie. Il pleuviote chez moi. Et puis, je vais prendre conscience, derrière mes paupières fermées, de toutes les couleurs que je vois, de toutes les taches d'huile. Je continue à faire Ujjayi
je continue à être suspendu, détendu. Et derrière mes paupières fermées, je prends conscience de toutes les différentes teintes, comme des taches d'huile, des hologrammes que je vois. Puis maintenant, tu vas prendre conscience des odeurs que tu arrives à repérer. Tu vas faire les deux, trois prochaines inspires, essaye de repérer une odeur la plus prégnante. Est-ce que c'est une odeur peut-être du plat que tu as mangé ce soir? Est-ce que c'est l'odeur des fleurs que tu as à côté de toi? Peut-être du parfum de ton conjoint? Et puis, les quelques respirations suivantes, tu vas essayer de repérer une autre odeur. Tu vas associer l'inspiration à repérer une autre odeur. Affine l'olfaction. Essaye de repérer une autre odeur. Et puis maintenant, tranquillement, tu vas prendre conscience de tout ce qui touche ton corps. Tu vas prendre conscience du poids du t-shirt, du poids du sweat, du poids du pantalon, des élastiques, des chaussettes peut-être, des sous-vêtements. Prends conscience de ton poids sur le sol. Et puis prends conscience surtout du toucher de l'air sur ton visage, sur tes cheveux, sur tes mains, sur tes ongles, le toucher de l'air. Prends conscience quelques instants du goût que tu as dans la bouche. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que tu as encore la saveur peut-être du dessert ou du fruit que tu as mangé ce soir? Est-ce que c'est salé? Quel goût ça a dans la bouche? Et puis tranquillement, calmement, on va associer tous ces sens. On garde les yeux fermés. Qu'est-ce que je vois derrière mes paupières fermées? Qu'est-ce que j'entends? Je continue à respirer Ujjayi tranquillement, paisiblement, avec un ventre relâché. Qu'est-ce qui touche mon corps? Qu'est-ce que je sens? Quel goût j'ai dans la bouche? Tout ça en même temps. Le feu d'artifice de tes cinq sens. Concentrez-vous, focalisez-vous pendant quelques instants à tout percevoir. C'est vraiment la communion ultime avec l'instant présent, avec le ici et le maintenant. Quand vous êtes complètement focalisé sur toutes vos sensations corporelles. Et puis tranquillement, je vais te demander de te focaliser sur ton sixième sens pour finir ce petit centrage avant de s'occuper de son dos, de relâcher ses tensions physiques. Je vais te demander de focaliser sur ton esprit, qui est pour moi le sixième sens, qui est capable de reconnaître nos pensées, nos émotions, les amis. À quoi tu penses maintenant tout de suite? Quels sont tes contenus mentaux? À quoi tu penses? Quelle est l'émotion, les émotions qui te traversent? On appelle ça les contenus mentaux pour ceux d'entre vous qui méditent Vipassana. Repère ce qui passe, ce que mon esprit est capable de reconnaître. Et puis, une fois que tu as repéré ton émotion, que tu as repéré la pensée, les pensées qui te traversent, je t'invite à te répéter mentalement dans ton cœur aussi,
que tu n'es pas tes pensées et que tu n'es pas tes émotions. Je ne suis pas mes pensées. Je t'invite à répéter avec moi. Je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas cette pensée qui me traverse. Et je ne suis pas cette émotion qui me traverse. Et puis tranquillement, on va prendre une grande inspire. Et on va soupirer les amis. Soupirer que je vous entende, inspire. Et soupire pour faire descendre cette sérénité, cette paix, ce centrage, cet alignement qu'on a ressenti. Et fais-le circuler dans tes cellules, dans ton corps. Et puis on va inspirer, pardon. Et on va bâiller en pendiculant, en s'étirant. On pendicule, on éclot comme une fleur du centre vers la périphérie. Et laissez les mains frotter où elles ont envie, les nadis, les méridiens, pour aller libérer les tensions faciales, les tensions du tissu conjonctif. Magnifique, les amis. Je rappelle, la pendiculation et le bâillement, c'est juste le top. C'est un reset du système nerveux neuro-hormonal, en fait. C'est vraiment des tentatives profondes, surtout quand ça vient spontanément pour votre système nerveux, pour se rééquilibrer. Comment ça va, les amis? Loubna, Dominique, Sophie, coucou Mawarda, coucou Nicole, Lohan, Nathalie, ça fait plaisir de vous voir, les amis. Corinne, on est très nombreux, ça me fait excessivement plaisir. Comment a été cette petite méditation centrage? Est-ce que vous avez réussi à sentir tous vos sens en même temps? C'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. Quand vous êtes pris dans des émotions, dans un tourbillon émotionnel, je vous invite vraiment à revenir sur vos sensations corporelles, et plus vous mélangez de sens en même temps, plus on crée ce qu'on appelle des sciences, des biais en neurosciences, plus vous êtes obligé de vous concentrer. Si vous vous concentrez sur trois sens en même temps, ça devient compliqué et ça force votre attention à revenir dans l'ici, dans le maintenant. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Coucou ma Manu, Martine, que du bonheur, Manu, mes yeux coulent. Yes, Nathalie, presque tout, pas d'odeur, tranquillement. Ça s'entraîne, ça encore, en essayant d'entraîner les choses les plus subtiles. Tu vas voir, tu vas y arriver tranquillement, pas à pas. Maryse, je baille énormément. Oui, j'ai réussi à sentir tous mes sens. Bravo, les amis. Quand vous n'arrivez pas à sentir tous vos sens pour le moment, vous savez que quand on n'y arrive pas, je vous invite toujours à rajouter ce hack, ce brain jack, comme j'appelle ça, de rajouter toujours pour le moment. Je n'y arrive pas pour le moment. Vous savez que votre pensée, comme disait Henry Ford, que tu penses que tu y arrives ou que tu penses que tu y arrives, que tu n'y arrives pas, dans les deux cas, tu as raison. Donc, faites attention à ce que vous dites, à votre narration interne. Donc, quand on dit « j'y arrive pas pour le moment », eh bien, je vous invite à séparer sens par sens. Vous voulez passer, vous faites une respiration sur chacun des sens et puis progressivement, vous essayez d'en mettre deux en même temps, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et vous allez voir, ça va incrémenter tranquillement et vous allez arriver. Karen, tout va super bien, néanmoins pas évident de ressentir tous ces sens en même temps. Mawarda, j'aurais voulu... ok, super. On est bien les amis, super. Alors, on va tranquillement aller se mettre contre le mur pour aller libérer son dos. Moi, j'ai un petit peu mal au dos aujourd'hui, au lombaire. J'ai un peu trop forcé au sport aujourd'hui, à l'entraînement d'hier et d'aujourd'hui. Du coup, ça va me faire le plus grand bien. Et je vais vous montrer comment libérer le psoas, parce que j'en ai besoin ce soir, les amis. On colle ses fesses ici. On décolle, on va ponter avec les coudes pour amener les fesses le plus proche possible du mur. On s'allonge, on tend les bras loin derrière. On va ramener les orteils vers soi. On tire les talons vers le plafond, on rentre le menton, tu aspires le nombril et tu tires le plus loin possible les mains derrière, tu plaques le cou, tu es en apnée et tu tires les talons vers le haut, on tire, on tire, on tire, on tire et on relâche. Quand on relâche, on fait une petite oscillation harmonique du bassin
pour relâcher les lombaires. Et puis, on y retourne. On tire les orteils vers soi, on tire les talons vers le plafond, on tire les mains derrière, rentre le menton, double menton, aspire le nombril. On plaque le dos, on tire à l'inactif, là, on tire, on tire, on tire. Et on relâche. C'est vraiment un exercice fabuleux pour relâcher toute la chaîne postérieure, tout le champ contractif postérieur qu'on sur-maltraite, j'ai envie de vous dire, sur des chaises toute la journée. Maintenant, on va tirer que le côté droit. On tire le côté droit, ramène les orteils vers toi, tire la main droite, rentre le menton, rentre le nombril, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Je crois que c'était Alice qui m'a envoyé un message, j'ai eu plusieurs messages pour qu'on fasse des choses sur les épaules, je vous proposerai ça. Sachez que cet exercice, quand on est passif comme ça, ça régule énormément les complexes des épaules, donc scapula, les omoplates et les gléno-humérales, donc l'articulation de l'épaule. Que vous soyez raide ou pas, c'est extrêmement puissant. Maintenant, on va tirer jambe gauche, bras gauche. On rentre le menton, on rentre le nombril, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Quand tu relâches, les épaules, elles travaillent, puisque ça ouvre complètement la ceinture scapulaire, la ceinture des épaules, on appelle ça. Et maintenant, on va tirer jambe gauche, bras droit. On tire jambe gauche, bras droit, tu rentres le menton, on rentre le nombril, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Magnifique. On oscille le bassin. On va tirer maintenant jambe droite, bras gauche, on tire, jambe droite, bras gauche. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Magnifique. On oscille. Maintenant, on va ouvrir le plus possible en abduction les jambes. On ouvre les mains, les bras en V. On ramène les orteils vers soi. On colle les genoux le plus possible. On tire les mains à droite et à gauche comme si on était écartelé. Tu plaques le menton, rentre le menton, aspire le nombril. On fait des toutes petites respirations superficielles. On essaye de faire du repassage, on s'ouvre complètement. Et on relâche tranquillement. On ramène les genoux comme ceci et on va ouvrir sur le côté. J'ouvre la main opposée, mes jambes vont à droite, ma main gauche va à gauche. J'attrape avec ma main droite mon aisselle gauche. Je regarde à gauche, je fais une jolie petite torsion global de mon rachis, ma colonne, et j'inspire pour gonfler le flanc ici. Magnifique, on tourne tranquillement. J'ouvre la main droite à droite, les jambes à gauche. Je regarde vers vous à droite, j'attrape avec ma main gauche l'aisselle droite. J'inspire et je gonfle ici. Gonfle ici. Magnifique. Et on revient tranquillement. Superbe. On se relève tout doucement, tranquillement. Et on revient. Comment ça va les amis? Mettez-moi un petit commentaire. Coucou ma Christine, comment vas-tu? Bâillement et larmes, yes. Martine, qu'est-ce que c'est bien en ta compagnie, merci ma Martine. Alors, les amis, on va voir comment, coucou Delphine, comment étirer son psoas. Le psoas, c'est le muscle fléchisseur des hanches par excellence. C'est un des muscles les plus puissants du corps, qui est vraiment de part et d'autre de votre colonne lombaire. Et c'est un muscle qu'on dit poubelle, les amis. C'est un muscle qui est extrêmement important aussi au niveau émotionnel. Et puis, c'est un muscle qui se charge très facilement de toxines aussi, puisqu'encore une fois, on est assis trop sur des chaises dans la journée. Et vous allez voir que cet exercice, il est extraordinaire pour prendre soin de son psoas, pour relâcher les tensions lombaires, comme je peux avoir moi aujourd'hui. Et puis,
ça va nous faire du bien aussi au niveau émotionnel. Alors, je règle pour que vous puissiez me voir bien. Et on va s'allonger sur son tapis de yoga, les amis, comme ceci. Tu vas ramener une jambe. Est-ce que vous me voyez bien là? Ouais, on est pas mal. Tu vas ramener une jambe comme ceci, le plus possible contre ton pectoral, contre la poitrine. Si jamais tu n'arrives pas à la ramener droite, tu la ramènes en dehors. On décale vers l'extérieur. Et puis, on va plier cette jambe-là, la jambe droite, en gardant le pied aligné avec la colonne vertébrale. Pas trop à l'extérieur, ni trop à gauche. Vraiment aligné avec le pli interfessier. On met 90 degrés de genou, de flexion de genou à droite. On va mettre la main droite à l'intérieur de la cuisse et vous allez inspirer en soufflant. Vous allez ouvrir le genou. Le but, c'est d'avoir de faire descendre le genou, la face externe du genou, vers le tapis. Et on va aider avec la main droite à ouvrir le plus possible. C'est pas très agréable, on va sentir une petite douleur à l'intérieur de la hanche. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal qui peut se passer, vous inquiétez pas. Ça ne peut pas se déboîter. Et on inspire, on souffle, on sourit, confort dans l'inconfort. Et on relâche, moi ça me fait énormément de bien aux tensions que j'ai au niveau lombaire. Super. Ensuite, on prend la main droite, on la met à l'extérieur et on remonte tranquillement. Et puis ensuite, on secoue un petit peu la jambe et puis on change. Je tire mon genou droit le plus possible vers mon pectoral ou à l'extérieur, comme je préfère. Si vous avez une petite douleur dans le pli inguinal droit, sortez le genou vers l'extérieur, d'accord? Et puis, pareil, on met le pied gauche aligné avec la colonne. Je change de côté pour que vous me voyez. On met le pied gauche aligné avec la colonne, avec le pli interfessier, 90 degrés ici. Et puis, je mets ma main gauche à l'intérieur et j'accompagne, j'essaie de faire descendre mon genou activement vers le tapis et ma main gauche, elle aide en appuyant. Et puis, je souris avec la tension que je sens au niveau de la hanche. Je suis en train d'étirer, d'essorer mon psoas. Inspire, souffle, souris. Et on remonte avec la main, on secoue un petit peu et on inverse. De nouveau, on refait l'autre côté. Je tire ma jambe gauche, je l'attrape pour lui faire un câlin. Je mets 90 degrés le genou droit et je tire mon genou droit pour qu'il descende vers le tapis. Et ma main droite, elle vient appuyer à l'intérieur de la cuisse pour aider, accompagner. À descendre, j'inspire, inspire, gonfle le ventre, et on relâche tranquillement, on remonte, on secoue un petit peu, et on change une dernière fois, tranquillement, je ramène mon genou droit contre la poitrine, je mets mon pied gauche aligné avec le pli interfessier, 90 degrés environ de flexion de genou gauche, et j'ouvre en faisant descendre mon genou gauche activement, et ma main gauche, elle accompagne. J'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, j'inspire. Magnifique. Et on relâche tranquillement. On amène les deux jambes contre soi. Et puis, je vous invite à tirer les genoux tranquillement. Et puis, à faire un petit mouvement de balançoire tranquillement comme ceci. À ramener votre colonne lombaire vers vous en tirant les genoux deux, trois fois. Ensuite, on va poser tranquillement comme ceci. Et puis, on va faire descendre les genoux à gauche, j'inspire, je souffle, je les fais descendre à droite. Vous allez ouvrir les mains
les mains en croix et on fait descendre à gauche en soufflant. J'inspire, je souffle et je fais descendre à droite en gardant les genoux complètement collés. On articule tranquillement la colonne lombaire, ce qu'on appelle les apophyses articulaires, on les lubrifie. Magnifique. Et puis tranquillement, on plie les genoux et on va se redresser tranquillement. Et comment je regarde comment vous allez, là on est pas mal. Et on va finir tranquillement les amis en se mettant en position de l'enfant comme ceci. Tranquillement, vous mettez soit sur le front, moi je me tourne là pour que vous puissiez m'entendre mieux. Les mains sont relâchées complètement. Et puis on va inspirer, on va faire une petite cohérence cardiaque pendant une minute. Et je voudrais que tu inspires avec le ventre pour que ton ventre, quand il se gonfle, tu sens que tu montes vers le plafond. Et sens que tu vas ouvrir le dos, tu vas ouvrir au niveau des omoplates, tu vas ouvrir les côtes et tu vas ouvrir, respirer au niveau lombaire. Ici, tu vas sentir au niveau lombaire que ça respire, que ça ouvre. C'est parti. Inspire sur 5 temps par le nez, souffle par le nez sur 5 temps. J'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Détends-toi complètement, sens le dos qui gonfle, inspire. Souffle. Inspire. Sens que tu tombes, fonce, continue de respirer. Sur 5 temps, j'inspire, 5 temps, je souffle. Et sens que tu t'écrases de plus en plus dans le sol. Les bras sont lourds. La tête est lourde. Et sens ton ventre comme un piston qui te repousse. Et à chaque expiration, tu t'écrases de façon douce et léger, de façon douce et lourde dans le tapis. Sens le cou, la mâchoire qui se relâche, le bas du dos qui se relâche. Et on souffle tranquillement. Et on va se redresser vertèbre par vertèbre en commençant par les lombaires. Mon regard, ma tête est lourde, ma tête est très lourde, très très lourde. Les bras sont très lourds et je déroule, les épaules sont lourdes. Mon regard, il est toujours dirigé vers le pubis. Je déroule vertèbre après vertèbre. J'ai déroulé les lombaires, je déroule les thoraciques. Ma tête, elle est toujours lourde, mes mains sont très lourdes. Et je déroule le cou en dernier. Et puis tranquillement, je vais aller regarder le plafond. Et je vais tourner mes mains vers l'extérieur. Mes épaules rentrent en rotation externe et je vais ouvrir la gorge. Et je vais faire une légère extension du rachis. Et je reviens tranquillement. Magnifique, les amis! Splendide. Revenez tranquillou bilou. Magnifique séance. Coucou Olive. Ma Christine. Yes, on a dépassé un petit peu les amis, mais c'était une séance très sympa. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trop tiré hier et aujourd'hui. J'ai fait une petite chute en m'entraînant. Du coup, ça fait un bien fou de prendre soin de ses lombaires. Comment ça a été pour vous ? Est-ce que l'exercice du psoas que je vous recommande, c'est vraiment, imaginez le psoas, c'est comme une éponge quand tu es en train de nettoyer l'éponge, elle se remplit de saleté, tu la mouilles et ensuite tu l'essores.
les muscles, il faut le voir comme ça, vous vous hydratez et le fait de vous étirer comme on a fait, c'est en train d'essorer pour faire sortir toutes les toxines, les amis. Donc ça, hyper important. Olive, au top. Nathalie, Sarah, super. Pamela, pareil, vous êtes au top. Claire, tu me dis, c'est la première fois. Super, eh ben, bienvenue à toi, Claire. Super, Christelle, séance très bénéfique. Victoria, super. Mamanu, super. Génial, les amis. On va se rasseoir tranquillement et puis on va finir. Imaginez toujours ce petit cheveu qui vous tire vers le haut. On va fermer les yeux quelques secondes et puis on va essayer de ramener son attention tout de suite, ici et maintenant, sur sa respiration abdominale et puis sur les sensations qu'on a maintenant dans son corps après avoir pris ce temps avec soi pour soi ce soir, avoir pris cette demi-heure avec soi, pour s'occuper de soi, pour s'honorer. On prend conscience des sensations qu'on a maintenant que notre esprit n'est plus affûté. Est-ce que je suis plus détendu que tout à l'heure? Quelle est ma météo intérieure? Quelles sont les pensées qui me traversent maintenant? Quelle est l'émotion qui me traverse? Et puis, je vais vous inviter à contacter quelque chose qui vous a fait sourire aujourd'hui, quelque chose de simple sur lequel vous avez envie de fixer votre attention, quelque chose qui a été positif pour vous. Plutôt quelque chose qui vous a fait sourire, qui a été drôle. Essayez de trouver un petit peu de fun, de drôle dans votre journée. Peut-être votre chat qui a fait une pirouette, peut-être votre enfant qui vous a fait une blague, peut-être qu'est-ce que vous avez vu de simple sur lequel vous avez envie de mettre l'attention aujourd'hui. Puis une fois que vous avez cette pensée, vous inspirez et vous soupirez pour la faire circuler dans vos cellules, pour aller infuser vos cellules de cette gratitude. La gratitude qui est une discipline du cœur qui permet de reprogrammer, les amis, toutes vos autoroutes neuronales vers des choses de positives. On a besoin de ça en ce moment. Coucou ma Flo, comment vas-tu? Céline, ça fait plaisir de vous voir. Stéphanie, c'était super, les amis. C'était marquez-moi sur le chat quelles étaient les pensées qui vous traversaient ou les émotions ou la chose sur laquelle vous avez focalisé à la fin de la séance. C'est toujours intéressant. On a vu en début de séance votre esprit, qu'est-ce qu'il a reconnu comme pensée, comme émotion. Et en fin de séance, après avoir s'être occupé de soi à travers la respiration, à travers une détente corporelle, est-ce que ça a modifié votre schéma de pensée? Vous allez voir que c'est, je suis curieux de voir et je connais les réponses. C'est en général beaucoup plus vertueux, les amis. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous, les amis. Je vous propose ce soir, si vous allez sur mon site internet, vous avez 20% sur le pack de mon livre Revivre sur lequel je suis extrêmement fier. Vous avez 356 pages sur toute la méthode Life Force. Domptez votre stress, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les principes vivants, les clés sur les 5 piliers de vie, les rythmes de vie, la nutrition des 5 sens, le mouvement versus l'exercice physique. Vous allez voir que c'est pas pareil. La respiration et l'état d'esprit. Et la dernière partie sur la raison d'être, extrêmement puissant, et les rêves de vie, les amis. Et je vous invite à aller voir sur notre site LifeForce, lifeforcewithyou.com. Vous aurez avec le code LIVE, L-I-V-E, moins 20%, avec l'accompagnement vidéo, notre formation vidéo, les fondations. Je vous le recommande. Si c'est compliqué de faire des stages en ce moment, ça vous permet d'appréhender la méthode LifeForce à votre rythme, les amis. Donc, allez voir sur notre site internet lifeforcewithyou.com et je vous invite à vous inscrire sur Facebook ou sur YouTube si c'est pas encore fait, les amis, et bien sûr sur le site pour que vous puissiez recevoir le dimanche nos capsules santé vitalité. Si vous souhaitez nous soutenir, les amis, ça sera avec un grand plaisir sur Tipeee, LifeForce David Tan. Vous savez que ce qui est hyper important pour nous, c'est d'amener cette méthode à nos enfants dans les écoles, et pour ça
on a besoin de vous pour ce projet-là. Donc, je vous invite à aller voir sur notre Tipeee, Life Force David Tan, si ce projet fait sens pour vous, si ça vous aide. Eh bien, nous, on souhaite amener ça à l'éducation nationale, les amis. Oui, je dis bien l'éducation nationale. Et l'idée, c'est d'enseigner à nos petits d'hommes tous ces principes du vivant qui sont tellement importants, les amis. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous. On a bien dépassé, mais c'est pas grave. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve mercredi soir avec le sourire, les amis. Prenez soin de vous et passez un très bon début de semaine. Je vous embrasse. Thank you.